C'est une classe de vieillards dans une école un peu bizarre. Ils sont tous là, les bras croisés, le visage au regard figé, sur leur vieux corps tout ridé. Leurs habits d'enfants sont mités dans leurs serviettes de cuir usé, les quignons de pain ont séché sur le plancher humide et noir des processions de gros cafards. Ils n'entendent plus la sonnette qui donnait l'ordre d'aller jouer. Leurs manuels restés ouverts sont recouverts de poussière et le vieux corbeau empaillé qui les faisait en rigoler a presque l'air de s'envoler face à leur immobilité. Un doigt trempé dans l'encrier, une mèche de cheveux tirée, collée au plafond lézardé, quelques boules de papier mâché. Pauvre jeu venu d'un autre âge, le dérisoire témoignage. À travers les carreaux cassés, on entrevoit le vieux pommier où enfin ils allaient jouer. Ils ont perçu le grand carnage, mais ils n'ont pas osé bouger. Ils avaient promis d'être sages. C'est une classe de vieillards dans une école un peu bizarre. Ils sont tous là, les bras croisés, le visage au regard figé. Je pense qu'on les a oubliés, car sur le tableau est écrit: de retour cet après-midi, soyez sages et restez assis.